la caisse locale W31 avait été créée dans le but de renouveler un peu le sociétariat, notamment pour avoir un peu plus de jeunes investis dans le sociétariat. On s'est rendu compte en fait au quotidien qu'on était sollicité par notamment des étudiants avec des idées intéressantes, et donc on s'est donné pour objectif de dynamiser notre partenariat avec ces étudiants et de les orienter vers les bonnes ressources. Donc le but, c'est d'être là au démarrage et de pouvoir les aiguiller au mieux vers tous les leviers qui existent au Crédit Agricole Toulouse 31. La caisse locale INAF 31 est basée au village et le but, c'est de pouvoir aussi sourcer des projets sur tout le territoire. Donc il y a un référent dans chaque caisse locale pour nous faire remonter le besoin et que nous mettions en collaboration les différentes parties. Alors il y a un projet phare qui est une bonne vitrine pour nous, c'est un projet qui s'appelle Unity Cube. C'est un projet qui est venu taper à la porte de W31, à l'époque c'était pas encore INAF 31. Unity Cube, c'est des étudiants qui ont créé une entreprise dont le but est de créer des modules qui viennent s'insérer dans des zones de bureaux pas occupées afin de pouvoir loger des gens qui n'ont pas d'habitation et donc qui sont en détresse. C'est de l'hébergement d'urgence. Le but, c'est de créer des modules qui ne détériorent pas les locaux, qui s'installent très très vite. Donc ils ont été orientés vers la fondation Projet Passion Jeune, qui leur a permis d'obtenir des financements pour réaliser leur premier module et faire du coup une première expérience grandeur nature dans des locaux. La caisse locale INAF 31, en plus de sourcer des projets sur tout le territoire, est ouverte à tous les sociétaires qui voudraient nous rejoindre pour s'investir un peu plus et devenir éventuellement administrateurs.